Cela dit, pour la plupart, ils ont une forme correcte. Ouais. Il fallait justement que tu pousses un arbre à la con, juste au moment où je disais que les arbres avaient des tailles, des formes correctes. Hein. Hein, il fallait, hein, c'était obligatoire. Bon, mettons. Tant pis. Celui-là, il me convient pas. Et voilà. C'est haut. J'aime pas quand c'est haut, ça fait peur. Cela dit, on reconnaît la différence, je trouve, entre Jeb et Notch. C'est que les arbres de Notch, c'est-à-dire tous les arbres à part les arbres de jungle, eh bien, ils sont valides. C'est-à-dire, une fois qu'on les a plantés, ils ne perdent pas de feuilles, selon la règle qu'il faut au maximum 4 blocs entre le tronc et les feuilles. Hein. Par contre, les arbres de jungle qui ont été inventés et créés par Jeb, eux, dès qu'ils ont poussé, ils perdent la moitié de leurs feuilles, quoi. Je trouve ça un peu désagréable, un peu dommage. Oh, mais c'est naze! Bon, je vais faire moi-même cet arbre, hein. Le tronc est... Et pas assez grand et tout ça, c'est naze. Ah, ça s'est raté. Voilà. Évidemment, les feufeuilles en profitent pour se barrer. Vous êtes pas coopératifs, hein, les gens. Ah non. Bon, je vais mettre un côté un peu plus sûr. Voilà. Ok, et puis... franchement, pourquoi me fais-je chier? J'aurais pu en replanter un autre. Surtout que je suis même pas sûr que les feuilles ici vont être persistantes. Voilà. Bon, admettons. C'est mieux? Non, pas trop. C'est naze. C'est n'importe quoi. Alors, comme ça. Ha. Et puis, ce sera bon comme ça. Alors, vous, vous êtes nul. Vous êtes nul. Allez, voilà. Bon, ça nous change un petit peu, hein, de faire un nouveau sapin comme ça. Bon, c'est pas, c'est un peu original au moins. Hop. Voilà. Et voilà. Ça? Ouais, ça c'est mieux ça. C'est mieux, hein? Un petit peu. Ouais, quelques feuilles en plus ici. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Aïe. Et voilà, c'est un très joli sapin fait maison. Alors ici. Comme ça. Tiens. Tac. Alors, en faut-il d'autres? À vrai dire, je ne sais pas et je vous propose de nous éloigner un petit peu pour voir ce que ça donne. Ce serait bien d'avoir des groupes de sapins, en fait, à certains endroits, pour donner cette impression que bah, ça fait un peu plus naturel. Généralement, les sapins ne sont pas tout seuls. Ouais. Bon. Peut-être ici. Là, ça va. Le dos est un peu. Il doit avoir froid là, à cet endroit-là. Je le sens bien, moi. J'en mettrais bien un autre ici, tiens. Ok. Alors. Aussi, ça va être la galère. Oh là 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 là. Ah oui. Tu veux te voir, hein? Oh oui. Oh oui. Oh oui, ça va être un... Oh, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Fabuleux.
Et j'en mettrais bien un ici aussi, comme ça. Là, ça... Ah. C'est un petit moche, ça, hein, oui. Ne me cachez rien. Bon, tant pis, rien à foutre. Et alors, de nouveau, ici, c'est le gros merdier. Ah, peut-être là. Eh oui, qui sait? Ouais, mais là. Ouais, mais bon. Là, je vais complètement fermer le passage, là, non? Je crois que ce que je vais faire, c'est ça. Là. Allez, voilà, comme ça. Et puis, mais reviens. Oh. Voilà. On n'a rien vu. C'est du tout naturel. Voilà, et eh bien on a quasiment terminé. La seule chose que je voulais faire, c'était rajouter des champignons. Parce que, à défaut de mettre des fleurs, quoique, oui. Enfin, c'est vrai que dans les montagnes, on trouve parfois des fleurs. Hein, comme là, il y a des petites jaunettes. Là aussi. Moi, j'ai envie de mettre des champignons sur son dos. Voilà, comme ça. Je vais pas en mettre. Ah ouais, mais je peux pas en mettre un mince. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Maintenant, on peut plus planter des champignons n'importe où comme ça en plein air, il faut qu'il fasse sombre. Ah. Et là, fait-il assez sombre? Bon, là, c'est même pas la peine, hein. On les verra de toute façon jamais. Alors, ici, je les laisserai se répandre tout seul par la suite. Ouf, j'arrive encore à passer. Exceptionnel ça. Fabuleux. Voilà, ici. Non, si. Là. Voilà. Touc. Grumph, 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 grumph. Rien à faire, hein, là, je crois que. Hey, mais on a encore un nouveau moyen de monter et de descendre de cet arbre. De ce géant, pardon. Avec la cascade, hein, il suffit de se laisser descendre ou bien de remonter le courant comme Johnny Weissmuller. Décidément, ils veulent pas se mettre. Tant pis, bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je mets des fleurs à la place? Ah oh, ouais, quelques fleurs ici, ce serait sympathique, même si on les voit pas de loin. Ben, est-ce que je n'ai pas du bonne mille? Bah si, j'ai du bonne mille. Bon, ben, bonne mille alors. Bonne mille les petits. Mais c'est pas ce que je veux. Moi, je veux pas des herbes. Il n'y a pas d'herbes hautes en montagne. Ou quasiment pas. Voilà. Ça. Parfait. Voilà. Alors, une deuxième par ici. Mais je veux pas de rose. Hein. Ah non, 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 non. Je veux une jaune. Débrouille-toi. Voilà, parfait. Excellent. Bon, deux fleurs pour le tout, c'est suffisant. Bof. Peut-être sur la tête. Petite sur la tête. Non, il n'y a pas tellement la place. Bon, on va le laisser comme ça. Je pense que c'est du tout bon. Alors, on va faire un petit vol. Pour regarder le résultat, je vais pas m'occuper de l'éclairage aujourd'hui parce que je ne suis pas très inspiré à ce sujet. Je vais continuer à y réfléchir. Voilà, pas mal. Alors on va enlever ça. C'est pas mal. Un petit champignon super éclairé là-bas. Alors, qu'est-ce que ça donne en général? Oh, ouais, pas mal. Il faudrait quand même un arbre sur l'épaule de ce côté-là. Hein. Ça serait quand même. C'est quand même pas du luxe. Ce serait pas du luxe. Voilà. Bon. Tête, tête. Peut-être plus vers l'arrière. Sapin, 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 sapin. Là, ça va pas marcher, je le sens bien. Non. Bon. Voilà. Voilà.
Il ne me plaît pas de laisser la terre là où j'avais pas prévu de la mettre. C'est tout. Non, mais. Voilà. Comme ça, je pense que ce sera mieux. Alors. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Surtout que là, c'est légèrement plus élevé, donc c'est pas symétrique, tout ça, c'est cool, j'aime bien, moi. Ouais. Ouais, ça donne bien. C'est sympa. Allez, on se fait la cascade! Ne serait-ce que pour voir où elle va. Oh, elle passe à travers la barrière ou par-dessus. Carrément. Hop. Oui! Oui! Ah ouais, ça fait double cascade. Hihi. Alors, pop, pop. Ah oui. Ouais, j'ai pas prévu ça, évidemment. Le chemin suivi par l'eau est influencé par l'existence de cette barrière. C'est pas terrible, ça. Hein. Il faudrait que je vire la barrière et puis ensuite que j'arrête et que je relance l'eau. Hein. Je vais faire ça tout de suite. Bougez pas, je reviens. Voilà, normalement ça devrait être prêt. J'ai enlevé la barrière, la clôture et on est prêt à relancer la machine à vapeur. Hop là. Ok. Alors, on va se perler là en bas. Tac. Pouf. Juste à temps pour voir arriver l'eau. Ouais. Ça descend jusqu'où? C'est canalisé ici. Ah bah oui, c'est sympa. Ça pouvait aussi couler dans cette direction-là, mais bon, ouais. Je sais pas si. Pas sûr. Je sais pas. C'est très bien comme ça. Voilà. Petite dernière chose. Ça me titille quand même de voir jusqu'où ça pourrait aller dans cette direction-là. Mais bon, on verra plus tard. J'aimerais ajouter une petite forêt de sapins dans les alentours pour égayer un peu les environs qui sont très nus. Et donc, bah, je trouve que voilà, ça donnerait bien avec une forêt. Hop. Hein. Alors, un petit. Là, je vais pas le mettre là, c'est peut-être à peu près de la cascade. Darnette! Faux mouvement. Voilà. Quoi, j'ai plus de place? C'est fou ça. Qu'est-ce que j'ai en trop? Ça! D'accord. Voilà. Bon. Paf! Un sapin dans la tronche. Sapin à la con en plus. Oh la vache, que c'est triste un sapin mal produit. Psst. Alors, peut-être en mettre petite grappe ici. Hein. Voilà. Et un peu plus seul. Non, c'est là que je voulais. Là. Comme ça. Mac! Il se venge en m'envoyant ses feuilles dans la tronche, enfin ses aiguilles dans la tronche. Et voilà. Un petit ici peut-être. Voilà. Comme ceci. Alors, est-ce que j'irai de l'autre côté rajouter quelques sapinous aussi? Ma foi. Pourquoi pas? Alors, hop là. Je vais mettre. Entre les jambes pour lui chatouiller les. Titi, ready, ready. Vous n'avez rien entendu, vous ne pourrez rien prouver. Je n'y ai même pas pensé d'abord. Hein. C'est bon, hein. Ça va. Hop, voilà. Alors ici, peut-être là. C'est un sapin nain. Bon, bah sapin nain, si. Hein. Tac, comme ceci. Peut-être pas trop quand même.
Voilà, une petite grappe de sapin comme ça. Ça me paraît bien. Comme ça. Alors, ben, nous allons nous écarter un peu, voir le résultat. On va le faire à la régulière, hein, pour changer un peu. Et c'est sympa, j'aime bien. Je vais mettre un lapin. Voilà, tiens. Pouf. Ouais. Comme ça. Barrière. Merci. Barrière, je crois que je vais faire un truc avec la barrière. Ah oui, c'est ça, en fait. Voilà. Pour repérer plus facilement l'endroit où ça s'ouvre, parce que bon, j'ai tendance à chercher un petit peu trop l'entrée. Chouing. Hop là. Dur les téléportations. Pas mal, hein? Pas mal, virgule 1. Qu'en pensez-vous? J'aime bien. J'aime assez bien le résultat. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Et pop. Je trouve que ouais, ça donne bien le la cascade, la petite forêt de sapin. J'en rajouterai peut-être sur ce versant ici. Tiens, pourquoi t'es noir, toi? Ah ouais, c'est cela, oui. Tout à fait. Tout à fait. Voilà la cascade dont je parlais tout à l'heure, hein, la cascade naturelle, que je trouve assez sympa aussi. Je comprends pas d'ailleurs il ne génère pas, que le jeu ne génère pas des sapins dans les montagnes. Hein. Pourquoi il met des arbres comme ça et... Enfin bon, bref. Il n'y a pas à se poser de questions de ce genre. Hein. Voilà. Bah, franchement, j'aime bien le résultat. Je trouve assez sympa. Le corps est assez massif. Bon, ma foi, c'est pas très grave. La forme s'est développée comme ça quand je l'ai créé. Là, je le crée de manière légitime, hein, pas en volant. C'est pour ça que cette partie-ci est un petit peu exagérée et que l'ensemble, on dirait une espèce de gros galet comme ça, mais... Mais bon, voilà, au moins il a une forme qui est quand même assez différente de celle du jeu Reus. Je vous conseille d'aller chercher la vidéo de présentation du jeu sur YouTube. C'est assez intéressant. Quant à moi, cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie avec moi. Retournez à une activité normale telle que planter des sapins ou jouer à Minecraft. Et nous nous retrouverons à l'avenir dans une autre vidéo. Merci de votre attention. À bientôt!